Bonsoir. Bienvenue dans notre faculté de droit, dans cet amphi 400, lieu de commencement pour la plupart des étudiants en droit, lieu de découverte de cours et de professeurs, lieu de rencontre de copains, lieu de souffrance pendant les périodes d'examen. Et oui. Et quoi de mieux que cet endroit chargé d'histoire d'étudiants pour vous raconter maintenant une petite histoire ? Il était une fois, il y a fort fort longtemps, une association de jeunes publicistes palois qui voulait organiser des événements pour promouvoir le droit public. Elle commença tout d'abord, sous l'égide de sa première présidente, à organiser une journée des métiers. Puis les années passèrent, les présidentes se succédèrent, et l'ADP ne cessa d'évoluer. Petite ADP devenue grande, se mit à organiser toujours plus d'événements. La cérémonie de remise des diplômes, la journée d'intégration, et puis un concours de plaidoirie. Et lors de son historique première édition l'an dernier, vous fûtes nombreux à venir rire. Les candidats furent nombreux à venir plaider, souvent brillamment. Et les professeurs, les membres du jury, fort satisfaits de venir les récompenser. Alors, forte de ce succès, l'ADP n'imaginait pas ne pas recommencer ce concours de plaidoirie. Mais histoire de se renouveler, elle vous propose de revenir là où tout a commencé. Ici, en amphithéâtre, mais surtout dans la grande histoire. Et ces petites anecdotes croustillantes dont il faudra absolument croire qu'elles sont toutes des histoires vraies. Alors, pour tout voyage, même un voyage dans le temps, il faut un capitaine, une copilote et un équipage. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Ladies and gentlemen, welcome on board. Nous vous souhaitons un agréable voyage. We wish you a pleasant trip. Veuillez accueillir. Please welcome. Ce duo intemporel devenu mythique. The Karin and Nikos of the fac de droit. Sous vos applaudissements, Pauline Estanguet et Thomas Moreto. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Laure et Ellie. Bienvenue à vous public, bienvenue à tous les web spectateurs qui nous suivent partout dans le monde ce soir. Avant de commencer, un petit mot sur les réseaux sociaux, Pauline. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #plaidoirie2016. Donc, n'hésitez pas à tweeter, instagrammer, facebooker, enfin bref, réagissez. Merci Pauline. Alors, il est désormais venu le temps d'accueillir des personnes que vous attendez encore plus que les candidats. C'est ceux qui vont les juger. Ils sont au nombre de 8 ce soir. Et nous allons commencer à les présenter, Pauline, n'est-ce pas ? Oui Thomas, et comme l'année dernière, nous allons faire ça assez brillamment, je dois le dire, avec des rimes et du rythme. Tout en poésie. L'Amphi 400, c'est un peu sa maison. Avec ses deuxièmes années, elle s'y donne à fond. Ce soir, elle nous en a confié les clés. Alors, soyez dignes du cadeau qu'elle vous fait. Pour lui rendre un peu de ce qu'elle vous a donné, il vous faudra la faire rêver. Le professeur et président de ce jury, Virginie Garibaud-Terner. Elle est conseillère à la chambre commerciale. Ce soir, nos candidats nous feront leur plus beau récital. Elle annule des jugements à tour de bras. Pas. Alors, chers candidats, ne la décevez pas. Madame Merillon. C'est la chef de tous les chargés de TD, toujours là pour nous épauler. Elle était déjà là l'an dernier, et comme nous, vous l'aviez adorée. Madame Annie Fitzduval.
avait désigné chargé de cours de l'année. C'est donc tout naturellement que nous l'avons invité. Il est sapé comme jamais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous saquer. Monsieur Berakas ! Voilà une personne très chère à notre cœur. De l'A2P, elle est l'un des membres fondateurs. Avocate à Pau, spécialiste de l'éloquence. Elle attend des candidats qui plaident avec aisance. Maître Valérie Daban. Pur produit de l'UPPA, il est avocat et docteur en droit. Il a plusieurs titres à son actif. Alors, cher candidat, un petit conseil, soyez persuasif. Maître Julien Leplat. Maintenant, elle est spécialiste de la conciliation et de la médiation. Mais attention, ce soir, elle sera sans concession. Elle a enseigné à toutes les générations et elle l'a fait avec passion. Florence Bruce. Des bébés, elle en a fait. Une pinotte, certes, mais aussi la dopée. Grande prêtresse de l'écologie, pour cette soirée, elle a dépensé beaucoup d'énergie. Alors, chers étudiants, ayez du génie. Et en plus, c'est notre ami. Julien Sat. Très chère Pauline, il nous faut remercier ce jury d'être là ce soir. Eh oui, bien sûr. Ils seront là pour les juger et nous les en remercions. Mais nous devons aussi remercier nos partenaires, ceux qui ont voulu participer à cette soirée. Il s'agit de nos sponsors. Tout à fait. Donc nous remercions très chaleureusement la cave à vin Le Ché. Le chocolatier Léonidas. L'espace culturel Édouard Leclerc. La brasserie béarnaise. L'élan béarnais. Jeff de Bruges. La salle de sport Les Bruyères. L'éditeur LexisNexis. La FNAC. Oxygène, la salle de sport. L'université de Pau et des Pays de l'Adour. Et la jardinerie Bon Cap à l'Escar. Voilà, la jardinerie Bon Cap, allez-y, ils ont des fleurs magnifiques. Alors, ça n'est pas les seules personnes que nous devons remercier ce soir. Avant tout, nous devons remercier l'artiste qui a permis en grande partie à cet amphithéâtre de ressembler à ce qu'il est. Alors, ils sont là-haut, vous pouvez les applaudir très fort. Nous remercions également le comité d'organisation sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Tout à fait. Nous remercions également à titre plus individuel Dominique Castel qui s'occupe de toute la gestion du son ce soir et mademoiselle Paloma Béguet qui fera des photos magnifiques. Nous remercions l'A2P qui bien sûr a initié cette soirée. Et puis nous remercions bien sûr le doyen de l'UFR de droit et Marie-Hélène Philippe, la responsable administrative, de nous avoir permis d'occuper cet amphithéâtre ce soir. Et puis un dernier merci, un grand merci à vous d'être aussi nombreux ce soir. L'amphithéâtre est plein à craquer et donc applaudissez-vous vous-même. Alors, avant de commencer, quelques consignes. La première, vous êtes ici pour vous amuser, alors prenez du bon temps. Tout à fait, Pauline. Deuxième consigne, très importante, il faut manifester votre présence, non pas par la sonnerie de vos téléphones portables, mais en agitant vos bracelets lumineux ou encore en applaudissant très fort. Enfin, Pauline, dernière consigne. Eh bien, nous marquerons une pause lors de laquelle vous pourrez vous restaurer et vous hydrater au bar. Tout à fait. Alors, un petit point sur les règles du jeu. Cette année, le concours de plaidoirie se déroule en 3 temps. Tout à fait. Donc, la phase éliminatoire qui se tient ici ce soir. Tout à fait. Sur des cas pratiques historiques. Et puis, la semaine prochaine, nous filerons du côté de The Voice pour les battles à la centrifugeuse sur les grands couples de l'histoire. Et enfin, le 2 mars, nous nous retrouverons pour la grande finale, toujours à la centrifugeuse. Voilà, ces couples-là sont à gagner, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Hein ?
Alors, nos candidats vont passer ce soir, non pas par le fruit d'un tirage au sort, comme cela a pu être le cas l'an passé, mais bel et bien par ordre chronologique, selon les sujets qu'ils ont à traiter. Et puis, petite difficulté supplémentaire, chère Pauline. Eh bien, le jury, avant chaque passage, donnera aux candidats un mot à placer dans leur plaidoirie. Et il s'agit cette année, pour cette phase, d'un monument historique. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à commencer ce concours en appelant les premiers candidats. Eh bien alors, Pauline, c'est vous qui les coachez. Eh oui, Thomas. Il s'agit de Lucie Lambert-Dasquet et d'Alexis Lahut. Ils sont en troisième année de droit public et ils traiteront le sujet suivant. Mais avant de vous dire le sujet qu'ils vont traiter, deux petits mots pour les présenter. Pauline. Alors, elle nous a confié que ce qu'elle aimait le plus, c'était la pêche. Et lui nous a confié que ce qu'il aimait le plus, c'était la chasse. Là, ils vont très bien ensemble, mais comme vous et moi, Pauline, nature et tradition, n'est-ce pas ? Bien sûr, Thomas. Voilà, vous pouvez rire, s'il vous plaît. Bien, alors le sujet qu'ils ont à traiter. Le pharaon Khéops fait adopter un papyrus interdisant l'esclavage sur la commune de Morsang-sur-le-Nil. Vous défendez un esclave de la commune qui refuse de travailler pour de l'argent. Vous avez 4 minutes. Bonne chance. Pardon ? Peut-être que l'on pourrait lui... Le mot. Oui, le mot, oui. On m'entend ? Non. Je vais pas cracher dedans. Là ? Ok. Bien, alors... Oui. Mais... Bon. Bien, alors, vous savez que nous allons vous donner un mot que vous allez devoir introduire dans votre plaidoirie. Et je vais laisser peut-être... la représentante de la magistrature ici ce soir, Madame Morillon, vous donner ce mot. Voilà, pour que les choses soient vraiment faciles pour vous, on a choisi le mot, enfin le monument Tour de Big Ben. Tour de Big Ben. Okay. Parfait. On va parler d'architecture Tour de Big Ben. Ouais. Pas joué, Tour de Big Ben. Tour de Big Ben. La Tour de Big Ben. Et bien sûr les pyramides. Ça marche, ça, c'est pour ça bien. Aussi. Scandaleux, scandaleux. Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de notre cher Khéops pour nous pendre une telle grossièreté ? Monsieur s'ennuie peut-être. Quel désastre l'ennui peut-il faire sur des hommes de pouvoir ? Voilà qu'il se découvre droit de l'homiste et que, sous couvert de stupide bien-pensance, nous sort un papyrus qui vient prohiber l'esclavage. On croit rêver. Avant que cet infâme papyrus n'intervienne, la vie de mon client, ex-esclave, était bien rodée. C'était une routine calme et rassurante. Il commençait par se lever dès l'aube à l'heure où blanchissent les plaines de gisée, préparer la maison, le tout agrémenté de doux coups de fouet. Et puis, après avoir passé une journée dans les champs à parfaire son bronzage, il rentrait se sustenter des miettes que son maître avait si gentiment fait tomber de son assiette. Et puis, quelle fierté pour mon client que d'être esclave. Lui, l'esclave de père en fils, de fils en frère, de frère en cousin en voisin, enfin bref, l'esclave par nature, lui devrait faire couler l'entreprise familiale. Le voilà aujourd'hui contraint d'abandonner sa plus grande raison de vivre, qui est, par là même, son unique espoir de mourir, être esclave. Nous conviendrons que ce qui fait le charme et la grandeur de notre peuple, les grands palais, l'architecture, la tour de Big Ben, et puis, bien sûr, les pyramides, n'auraient jamais pu être ce qu'ils sont sans ces milliers d'esclaves, travaillant parfois même jusqu'à 35 heures par jour, morts pour la grandeur et la renommée de leur pays. En parlant de pyramides, celle de Kelsen ne nous donne pas beaucoup d'indications sur la force normative de l'outil juridique utilisé par Khéops. Un papyrus. En d'autres termes, ça sent le vide juridique. Et qui dit vide juridique ? Eh oui,
qui dit vide juridique, dit intervention du juge pour légiférer. Ce qui ne manquera pas de faire plaisir à Montesquieu quand il naîtra dans 4000 ans. En outre, on rappelle que selon le PPNT, principe pharaoniquement nécessaire à notre temps, chacun a le devoir de travailler et d'obtenir un emploi. Nul ne peut se plaindre d'être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines ou de ses croyances. Ce principe a d'ailleurs été repris par le CE, Conseil d'Égypte, dans son arrêt « Le travail, c'est la santé », estimant qu'il constituait un PGD, principe général d'Égypte. Je constate donc que ce papyrus a été pris en méconnaissance de normes qui lui étaient supérieures et que, de facto, notre pharaon a agi en toute illégalité. Et puis, si l'on va dans ce sens, on voit bien les dérives qui menacent notre pays. Qui sait, peut-être que bientôt nous n'aurons même plus le droit de mettre une fessée à nos enfants, de battre nos femmes ou encore de lancer nos demi-hommes lors du banquet du village. C'est du n'importe quoi. Après le salaire pour tous, il n'a qu'à prononcer le mariage pour tous aussi tant qu'il y est. Certains, croyez-moi, vont se retourner dans leur sarcophage. Je vous l'ai toujours dit, Khéops n'avait absolument pas le profil pour devenir pharaon. Et c'est tout de même le comble, vous en conviendrez, de ne pas avoir le profil pour un Égyptien. Il n'y a que lui pour interdire l'esclavage. Et un pharaon qui interdit l'esclavage, c'est un peu comme Cahuzac qui lutte contre la fraude fiscale. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il faut également que je fasse une confidence. J'ai bien senti que mon client prenait tout de même un certain plaisir à recevoir ces coups de fouet de son maître. Oui, vous savez, son maître, Strauss-Canus. Mais sur ce point, je vous renvoie aux conclusions de la décision K et AD contre Égypte. Enfin bon, toujours est-il que mon client, s'il n'obtient pas gain de cause, compte former une QPC, question pharaonique de constitutionnalité. En effet, certains ne sont-ils pas prédisposés à être esclaves ? Aristote dira même dans quelques années qu'on est maître non point parce qu'on sait commander, mais parce qu'on a certaines natures. On est esclave ou homme libre par des distinctions pareilles. Et puis finalement, abolir l'esclavage, n'est-ce pas une douce utopie ? Si je vous demande si vous êtes libre, vous me répondrez que oui. Mais moi je vous dis que vous êtes tous des esclaves. Esclaves de votre travail, esclaves de votre argent, esclaves de vos tablettes, d'argile bien entendu. Bravo! Merci Lucille, oui. Alexis. Alors peut-être que le jury voudrait réagir sur cette question avec un micro qui fonctionne normalement. Essayez. On vient de le changer. Essayez de parler dedans, normalement il marche. Vous êtes sûr ? Oui. Bien, alors est-ce que l'un des membres du jury souhaite s'exprimer ? Pour une première, je trouve ça très bien et je trouve que les conditions ont été remplies. Alors d'abord, la gestion du temps, puisque vous avez terminé pile poil sur le gong. Le mot a été placé. Je pense qu'il y avait tout, à la fois... Du rire, enfin du moins on a tous souri et tous ri, mais vous avez également traité parfaitement le sujet, donc je pense que pour une première c'était assez encourageant, attendant de voir les autres. Merci beaucoup. Le binôme suivant, il s'agit d'Amandine Darmana et d'Alizé Lassalle, qui sont en la main droit privé général, on les applaudit très fort s'il vous plaît. Elles sont coachées par Priscilla Ayon. Alors, le personnage préféré d'Alizé, c'est Nelson Mandela, comme ma sœur. Hein. Et le personnage préféré d'Amandine Darmana, ce n'est pas son personnage, c'est ce qu'elle aime le plus, c'est la natation. Alors, quels sujets doivent-elles traiter ce soir, Pauline ? Eh bien, Thomas, elles traiteront le sujet suivant. Achille est blessé à la suite d'une talonnade. Le docteur Ostéotux diagnostique une rupture du tendon causée par la négligence de sa mère qui ne l'a pas immergé intégralement dans le Styx. Fou de rage, il attaque sa mère, vous défendez la mère. Alors, Madame la Présidente. Vous m'entendez ? Tout à fait. C'est formidable. Peut-être Annie Fitt-Duval voudra donner le mot au candidat. Alors, la statue de la liberté. Merci beaucoup, vous avez 4 minutes, bonne chance.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, nous sommes réunis ce soir pour répondre à de vaines accusations glaviotées par la partie adverse. Nous portons en ce jour la parole d'une mère aimante, mais meurtrie face à l'ingratitude de son fils. En effet, le célèbre Achille, fils du mortel Pelée de la déesse Tétis, s'est blessé à la suite d'une talonnade. Son médecin, le docteur Ostéotux, lui a diagnostiqué une rupture de son talon, causée, selon ce dernier, par la négligence de sa mère qui ne l'aurait pas immergé intégralement dans le Styx. Pour résumer, en essayant de conserver notre sérieux, le grand Achille, l'imbattable guerrier, le charmeur de ces dames, attaque sa mère en justice parce qu'il s'est fait mal aux pieds. D'ailleurs, ce dossier ne se fonde que sur les conclusions très hâtives du docteur Ostéotux. S'il est peut-être compétent pour poser un diagnostic médical, mais qui est-il pour se prononcer sur un lien de causalité ? Il est peut-être docteur, mais il n'est pas docteur en droit. S'il est vrai que c'est un honneur pour nous de nous présenter ce soir devant vous, devant votre illustre cour, aussi illustre que la statue de la liberté, les fondements de cette affaire restent mystiques. En effet, la partie adverse n'a pas muni sa requête d'une base légale. Et pour cause, il est inéluctable que la responsabilité tant civile que pénale de Tétis ne peut être engagée. Balayant tout d'abord d'un revers de lance la responsabilité pénale. Qu'est-il reproché à notre cliente ? De ne pas avoir immergé totalement le jeune Achille dans le Styx. Il serait de jurisprudence inédite pour votre cour que de reconnaître coupable une mère qui s'est refusée à noyer son enfant. Qu'en est-il de la responsabilité civile ? On nous invoque la perte de chance. Mais mesdames et messieurs, vous en conviendrez, il y a des dommages collatéraux beaucoup plus traumatisants. En effet, toute sa vie, cette femme s'est sacrifiée. Animée d'un désir constant de protection, sur les conseils d'une grande prêtresse, elle immergea Achille dans le Styx pour le protéger. Mais mesdames et messieurs les membres de la cour, pour ne pas l'exposer à une noyade certaine, il a bien fallu qu'elle le retienne par un membre. Il nous apparaît bien heureux qu'elle ait opté pour le talon. Nous n'en dirons pas plus. Par ailleurs, aurait-elle manqué à une obligation d'entretien et de soins envers son enfant, prévue à l'article 371-2 du Code de l'Iliade ? Une nouvelle fois, c'est l'amour abyssal de cette mère qui ressort. Tétis, connaissant la faiblesse du talon d'Achille, n'a pas hésité une seule seconde à investir massivement dans divers soins et crèmes pour ses petits pieds. Et Dieu sait que ce n'est pas une chose facile pour les Grecs. Elle est même allée jusqu'à demander au talentueux Héphaïstos, forgeron des dieux, de fabriquer ceci. Une spartiate sur mesure, renforcée au niveau du talon. Ainsi, vous le voyez bien, Tétis a tout mis en œuvre pour le petit talon d'Achille. Quitte à ce que ça lui coûte une fesse ou à ce que ça nous endette la Grèce. Revenons un moment sur les faits. À la fin d'une belle journée, après qu'Achille ait tué quelques Troyens et égorgé une dizaine d'autres, ils décidèrent avec ses comparses de faire un match de foot. Pourtant éminemment bien conscient de sa vulnérabilité au talon, non seulement il ne mit pas ses spartiates orthopédiques, mais en plus il eut la grande idée de s'essayer un geste de style, la talonnade, qui fut évidemment fatale à son talon vulnérable. Il convient alors de placer ici l'adage, la panacée en matière d'exonération, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Et c'est pourquoi nous demandons à votre cour de débouter Achille de sa demande et de surcroît, nous demandons des excuses publiques. Quant à nous, nous n'hésiterons pas à réorienter notre cliente vers le maître incontesté, Danielus Vinux, pour qu'elle puisse réécrire son testament. Car n'a-t-il pas toujours été au maire d'écrire l'histoire ? Madame la Présidente, messieurs, mesdames les jurys, nous vous remercions. Bravo ! Tout d'abord, félicitations, parce que c'est vraiment un exercice très difficile. Alors, j'ai beaucoup apprécié votre comique de situation. Hein, cette mise en scène est particulièrement appréciable. Vous avez placé forcément le mot qui était attendu. Vous l'avez placé rapidement pour vous en débarrasser. Nous l'avons bien entendu. Mais félicitations, c'était une belle prestation. Et nous vous en remercions, je pense, au nom de tous les membres du jury. Bravo! Alors nous accueillons maintenant un nouveau binôme.
composé de Mademoiselle Camille Rius qui est en L3 droit, de Monsieur Charles Guelf qui est en capacité, coaché par Quentin Giraud. Je vous propose de les applaudir très fort. Et Thomas, visiblement, ils étaient faits pour se rencontrer, puisqu'ils nous ont confié qu'ils aimaient, par-dessus tout, l'un jouer au Scrabble et l'autre faire des puzzles. Voilà. Alors, le sujet qu'ils ont à traiter est le suivant. Après le contrôle positif de Spartacus à des substances hallucinogènes par le dopé, le dopé étant le département officiel des produits énergisants, son dealer panoramique s'est arrêté. Spartacus pourra venir témoigner, et Madame la Présidente... À Hubert Alcaraz, il veut bien donner le mot. Oui, alors on a pensé pour vous à la muraille de Chine. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez 4 minutes. Bonne chance. Monsieur le Président, mais Madame la Présidente, excusez-moi. Mesdames et messieurs les jurés, bonsoir. Nous sommes en moins 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est peuplée par les Romains. Toute ? Non, un village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et heureusement d'ailleurs, malgré toute l'oppression, tous ces Gaulois vivent des jours paisibles. Tous, sauf un dans le cas nous réunit aujourd'hui. En effet, notre cher druide Panoramix fait l'objet d'accusations calomnieuses de la part du si grand gladiateur romain Spartacus, qui l'accuse d'être son dealer. Non mais allons, partout Atis, un peu de sérieux. Nous vous démontrerons très clairement d'ailleurs, que Panoramix n'a rien de semblable à un dealer, tel que voudrait nous le faire croire ce pitoyable Spartacus dont nous parlerons dans un second temps. Donc, revenons à nos sangliers, afin de vous démontrer que Panoramix est considéré par tous comme un grand sage. Non mais franchement, vous voyez réellement ce papy de 180 ans dealer dans les rues de Rome ? C'est impossible, mesdames et messieurs, c'est impossible ! Comment penser qu'une personne aussi intègre que Panoramix puisse faire affaire avec ce partousard de Spartacus et trahir son peuple ? Ce peuple d'ailleurs qui connaît mieux que personne, ce cher druide, et qui ne croit pas une seule seconde à ces accusations mensongères. Plusieurs témoignages évoquant l'exemple que représente Panoramix pour son peuple ont été recueillis. Il y a eu, par ailleurs, le témoignage de Nabilix qui affirmait très clairement « Non mais allô quoi ? Pano, un dealer, c'est comme si je te dis que César était sélectionné pour les Oscars. » Par ailleurs, lors de la perquisition réalisée au domicile de Panoramix, les enquêteurs ont uniquement retrouvé le cerveau de Ribérix, l'humour de Dieudonix, les yeux de Gilbert Montanix et les promesses de François Hollandix. Aucune substance illicite n'a été retrouvée. L'élément matériel n'est donc ici pas présent. Tout repose sur l'unique et le seul témoignage de ce dépravé de Spartacus que nous allons entendre aujourd'hui, afin d'avoir les idées fixes. Bon, par contre, on va se dépêcher, parce qu'après je dois aller à la muraille de Chine. Allez. Monsieur, s'il vous plaît, un peu de tenue. Pouvez-vous nous relater votre version des faits, ou du moins ce dont vous en avez le souvenir ? Alors, je me souviens, on était à la taverne de nuit avec Pano et son pote, là, celui qui sniffe de la coke tout le temps. Sarkozyx, c'est ça. Et d'ailleurs, il est tellement petit qu'on peut jouer au foot avec, c'est plutôt amusant. Et après, on a fumé un bon joint sa race. Et puis, je vous le dis, moi, le chapix, il n'a pas à s'en faire. La relève est assurée, c'est sûr. Monsieur, savez-vous réellement ce que vous risquez pour faux témoignages ? Dois-je vous rappeler que selon l'article 5, astérix 2 du Codus Totalitarus, le témoignage mensonger est puni de 100 coups de menhir et surtout de 10 heures non-stop de Justin Bieberix ? Comment ça ? Mais oui ! On voit que Tobéris n'est plus là, mais bon, vous savez que moi j'ai le bras long et pas le bras raccourcix, alors je m'en sortirai. Comme on dit chez nous, Astérix et Péril. C'est bon, monsieur Spartacus, vous pouvez disposer. Il était temps.
Je pense qu'après ce témoignage, la personnalité exaspérante de Spartacus ne vous aura point échappé. On demande donc aujourd'hui l'acquittement de Panoramix, pardon. Car comme le disait le célèbre philosophe Voltairix, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Bravo ! Merci ! On a vu que c'était la fin. Alors, on va écouter la réaction du jury, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut monter le micro ? Je vois que certains candidats ont bien ciblé leur jury. Et donc, écoutez, je pense que vous avez encore une marge de progression, mais là, vous avez quand même démarré très, très fort. Merci beaucoup. Alors, sans transition, nous allons accueillir mademoiselle Lucie Morel, qui est en L3 droit, ainsi que mademoiselle Manon Sojiu, qui est en deuxième année de droit. Elles sont coachées par mademoiselle Daidi. Et Pauline, dites-nous-en un peu plus sur ces demoiselles. Eh bien, lorsqu'on a demandé à Lucie Morel dans quelle époque elle aurait aimé vivre, elle nous a dit « Je suis bien à mon époque, mais sinon l'Empire romain pour connaître les orgies des bacchanales. » Non, pas des bacchanaux. Et alors ? Merci Thomas. Le personnage historique préféré qui fait une perfecte transition avec la prestation d'avance, c'est bien sûr Nabila. Alors, quels sujets doivent être traités, Pauline ? Eh bien, ils devront traiter le sujet suivant. Néron veut ouvrir un bar à orgies à Rome. L'association de défense des valeurs morales romaines attaque Néron pour l'ouverture de ce bar. Vous défendez Néron. Le jury, un petit mot ? Notre-Dame de Paris, pour ceux qui n'ont pas entendu. Bonne chance, vous avez 4 minutes. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous réunissons ce soir afin de plaider la cause de notre cher empereur Néron, de son nom Lucius Domitius Aenobarbus, indûment attaqué par l'association Vierge en colère, dont l'objet est de défendre des valeurs soi-disant morales, à l'instar de la chasteté, la pureté, l'abstinence, bref, la virginité. Mais sachez, mesdames, messieurs, que les accusations à l'encontre de Sieur Aenobarbus ne sont en aucun cas justifiées. Les voilà qui accusent notre client de pousser nos concitoyens à la débauche en ouvrant un simple bar à orgie. Or, il n'en est rien. Cum, ce lieu n'a pas pour unique vocation de prôner la sexualité, son objet étant beaucoup plus large, et ceteris paribus, la partouze sera strictement encadrée. Tels sont les deux moyens que nous nous efforcerons de démontrer. En premier lieu, il existe un hiatus entre les allégations de l'association et le but poursuivi par Néron dans l'ouverture de cet établissement. En effet, ce bar n'a pas pour vertu de développer uniquement une orgie sexuelle. Vierge en colère se méprend dès lors que le bar de notre client servira de lieu de simple réunion où tous ensemble nous pourrons nous adonner à diverses sortes d'excès et de plaisirs. La recherche de tous les plaisirs étant biologiquement normale et ne posant pas de problème tant que tout est fait dans l'excès, selon le scientifique Wikipédius. Ainsi, parmi les orgies fortes distrayantes proposées par Sieur Néron, il convient de pointer du doigt les orgies de MST, moule en sauce tomate, spécialité romaine, la mytiliculture, culture de la moule étant très en vogue à Rome. Mais encore, orgie de discussion, orgie d'éducation, orgie de cactus, de fabus, de viagrus et bien évidemment orgie de cubitus. Surtout, en prévoyant d'ouvrir ce bar, notre client ne fait que poursuivre le principe d'égalité consacré comme un PGD, principe de la Gaule démocratisée. En effet, Sieur Lucius Domitius souhaite garantir l'accès au bar pour tous, sans distinction de sexe, petits ou grands, de préférence sexuelle, de forme de Néron ou carré ou de race. Voyez-vous d'ailleurs
vierge en colère qui défend la dignité, ne se soucie guère de la condition des esclaves. Or, ce lieu, au-delà de toutes les vertus que nous avons déjà énoncées, les mettra à l'honneur. Ils seront les bienvenus afin de pratiquer à l'excès ce qu'ils font de mieux, à savoir entretien, service, soumission, le tout en sirotant un petit rhum negrita. Il n'y aura pas non plus de distinction d'âge. En vertu du respect du principe de l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction et à la culture, consacré par le préambule du Senatus Consul du 27 octobre 46, le bar accueillera parents et enfants afin de partager toutes les orgies proposées. D'ailleurs, comme l'illustre le nom de ce lieu de divertissement, l'Open Bar, il s'agit de promouvoir tolérance et ouverture d'esprit. En second lieu, n'oublions pas que Vierge en colère, bien que contre le projet de Sieur Reino Barbus, continue de célébrer les bacchanales, fêtes religieuses d'orgies sexuelles dans lesquelles les débordements sont très fréquents. A contrario, le projet de notre client à l'égard de ce type de réunion charnelle se veut sécurisant et encadrant afin de limiter ce genre de débâcle. Afin d'appuyer son argumentation, pour le moins hasardeuse, Vierge en colère se prévoit de la décision Baise-moi rendue par le Conseil de l'Empire et l'arrêt Berry contre Zaya rendu par la CEE, Cour européenne échangiste. Les présumés ont été condamnés au motif que leurs actes avaient eu pour objet, je cite, « d'enchaîner des ébats sexuels d'une crudité appuyée et d'une particulière violence, le tout en utilisant de la cire brûlante ». Or, ce moyen apparaît ici inopérant. En effet, dois-je vous rappeler la jurisprudence bien connue, Dominicus Troscanus ? Dans cette affaire, le Conseil de l'Empire s'était prononcé en faveur de l'ouverture de ce type d'établissement, sous réserve que les pratiques soient sécurisées et encadrées. Justement, notre client a prévu de contrôler ce genre d'activité, en ne mettant à la disposition des consommateurs que de simples fouets et menottes. Ainsi, en l'état du droit actuel, rien ne s'oppose à l'ouverture de l'open bar, lequel sera aussi rénové De plus, au nom de la liberté d'entreprendre, PFRLR, et de la liberté du commerce et de l'industrie, principe de la Gaule démocratisée, je vous demande, mesdames, messieurs les jurés, de rejeter les arguments éminemment conservateurs de l'association requérante et ainsi permettre à nos chers concitoyens de jouir d'une avancée profonde. Merci beaucoup. Merci. Et pour finir, comme le dit Millenus Farmus, je suis libertine, je suis un cactus. Merci. Restez là. Alors, une réaction de la part du jury, Florence Bruce au micro. Le micro fonctionne, il suffit de l'allumer en réalité. Vous entendez ? Oui, on vous entend. Oui. Tout d'abord, félicitations. C'était très engagé, on a vu ça. Bon, dommage pour le temps, mais en tout cas, c'était bien construit, c'était drôle et ça semblait plutôt assez intelligent. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Qui allons-nous accueillir maintenant, ma chère Pauline ? Eh bien, Thomas, nous accueillons Mélanie Lannepiedinx, qui est en M1 droit privé général. On applaudit bien ça ! Alors, elle est coachée par Lionel Belloc, et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est voyager. Et son sujet porte sur le magazine Publix, titre son prochain numéro « La guerre des Gaules » et révèle la liaison de Vercingétorix et César lors de leurs vacances à Mykonos. Le couple outé décide d'attaquer le journal. Vous défendez le journal People. Et pour le jury, un petit monument. Parler, il fonctionne. Bon, oui. De toute façon, j'ai déjà été condamnée par Madame la conseillère Morillon, qui a dit que je n'étais pas douée avec le micro. Alors. Donc j'hésite, mais bon, je vais donner le mot moi-même, le château de Chambord. Voilà, merci beaucoup, vous avez 4 minutes, bonne chance. Ave, Madame la Présidente, ave, Mesdames et Messieurs les membres du jury. Me voilà ici ce soir pour défendre un droit fondamental et rappeler son importance dans notre société.
le droit à l'information. Vous devez vous dire, celle-là, elle ne va rien défendre du tout. Mais méfiez-vous, l'habit ne fait pas le moine. En l'occurrence, c'est une magnifique robe Chanel. J'ai l'honneur ce soir de représenter les intérêts d'un journal qui se bat tous les jours pour vous véhiculer des informations importantes, sociétales, qui changent votre quotidien. Le très célèbre magazine Publix. Ce respectable journal d'intérêt général est aujourd'hui traîné dans la boue judiciaire à cause de ceci. Je pense que vous les avez reconnus. Ce sont... César et Vercingétorix, Gétorix, Mykonos. Mykonos, c'est en Grèce pour ceux qui ne le savent pas. La Grèce n'est pas simplement le pays de la feta, du chômage et de la crise économique. C'est aussi un pays connu pour ses soirées homosexuelles. Ce couple poursuit mon client, le très célèbre magazine du petit coin Publix, pour avoir révélé leur homosexualité au grand jour, porté atteinte à leur vie privée ainsi qu'à leur droit à l'image. Avoir révélé leur homosexualité ? Mais comment ont-ils la prétention de nous accuser de ceci ? Je pense que César ne réalise pas que tout le monde connaît déjà son homosexualité. D'ailleurs, cela lui vaut de nombreux colibés et même ses soldats chantaient régulièrement des chansons satiriques à ce sujet. Il se fait tailler par derrière depuis longtemps, ce qui n'était pas pour lui déplaire visiblement. Quant à Vercingétorix, tout le monde avait déjà de sérieux soupçons, surtout depuis qu'il a apporté son soutien à Astérix et Obélix lors de leur coming out au château de Chambord. Mon client n'a donc pas révélé leur homosexualité. Elle était déjà connue de tous. Atteinte à leur vie privée. Mais la relation d'amour qu'unissent ces deux hommes politiques est une information capitale, d'intérêt général, et par conséquent, relève du droit légitime à l'information devant lequel doit céder la protection de la vie privée. Si vous condamnez mon client, c'est le droit à l'information qui sera bafoué. Allons donc, c'est quand même du vainqueur de la guerre des Gaules dont il s'agit et de celui qui a été vaincu par lui. C'est comme si George Bush avait une relation avec Saddam Hussein ou Angela Merkel avec Alexis Tsipras. Ce n'est quand même pas anodin. On peut même légitimement se demander dans quelle mesure Vercingétorix ne s'est pas volontairement laissé vaincre pour satisfaire son amant qui n'attendait de toute évidence que de le mettre à genoux. Atteinte au droit à l'image ? Mais ce cliché a été pris sur une plage publique par notre cher paparadix Brutus. Je pense qu'ils auraient dû réfléchir avant de s'engager dans ces poursuites, soit dit en passant, tout comme moi, avant de m'engager dans ce concours, car la plage est un lieu public et une photo prise sur un lieu public ne viole pas le droit à l'image dès lors qu'elle illustre un fait d'actualité. Arrêtez, César et Vercingétorix, de vous victimiser. Vous poursuivez mon client aujourd'hui, alors que d'habitude, vous n'hésitez pas à nous utiliser pour asseoir votre notoriété, en vous laissant prendre en photo quand ça vous arrange, bien sûr. La dernière fois, c'était lors du voyage de Vercingétorix à Alexandrie, en compagnie d'Alexandra. Ces photos n'ont suscité de sa part aucune contestation. Mais lorsqu'on publie des photos avec un homme, là c'est un problème. Je pense surtout que Vercingétorix a pris un coup à sa fierté avec cette photo, car en effet, si César a réussi à conquérir toute la Gaule, Vercingétorix, lui, visiblement, a réussi à conquérir que celle de César. Merci beaucoup. Merci. Le jury, un petit mot peut-être. Vous ne me regardez pas comme ça. Bien, bravo mademoiselle, c'était très bien. Vive le mariage pour tous. Et je vous souhaite une aussi belle carrière que madame Taubira. Merci beaucoup. Bien, next. Monsieur Baptiste Pérou, qui est en deuxième année de droit, coaché ce soir par monsieur Elorza. Pauline, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce jeune homme ? Eh bien, si
S'il avait dû vivre à une époque, il aurait vécu durant l'Antiquité grecque, romaine, ou au 19e siècle, on ne sait pas trop, il a l'air assez indécis. J'espère qu'il ne le sera pas pendant sa plaidoirie, parce que voici son sujet. Iseult attaque Tristan, ou Iseult, hein, pour ceux qui le prononcent mal, attaque Tristan car il fait croire à une histoire d'amour, alors qu'elle a des preuves attestant de l'utilisation de GHB, grog de haute bestialité, dans son filtre d'amour. Vous défendez Tristan, monsieur. Et pour le jury... Vous allez placer l'arc de triomphe. Merci, vous avez 4 minutes. Bonne chance. Marty, la DeLorean s'est enrayée et nous voilà revenus en nom de Zeus. Nous sommes dans le Moyen-Âge celte et je lis sur ce parchemin que nous sommes plongés au cœur de la légende de Tristan et Iseult. Fascinant, Marty. Regarde, le continuum espace-temps a dû être fragmenté par nos incessants voyages à travers le temps. Je crois que nous allons devoir défendre ce pauvre Tristan devant ce jury moyenâgeux. Tout d'abord, que s'est-il passé? La légende rapporte qu'Iseult était censé épouser l'oncle de Tristan après que ces derniers aient bu un filtre d'amour. Or, ce sont bel et bien les deux jouvenceaux, Tristan et Iseult, qui ont bu le filtre en question. Tristan est accusé d'avoir versé du grog de haute bestialité dans le dit filtre d'amour. Mais qu'est-ce que le GHB? Je tiens la notice de cette potion de virilité, ancêtre du Viagra, à votre disposition. Ce petit parchemin bleu nous permet d'en savoir davantage. Les Alexandrins nous disent « Cette mixture des plus interdites aux enfants donne bestialité aux nobles et aux impuissants, apportant fécondité aux jeunes de tout sang. » Ainsi, le grog de haute bestialité n'est pas le GHB tel que nous le connaîtrons en 2016, à l'époque de l'Arc de Triomphe, de Donald Trump et de l'état d'urgence, ce que vos seigneuries celtes auront la chance de ne jamais connaître. C'est une potion de virilité, en aucun cas la drogue du violeur. En premier lieu, mesdames et messieurs les juges, la volonté du triste Tristan est clairement établie dans l'accusation. Or, elle est impossible à établir. Les jouvenceaux ont bu le filtre d'amour à leur insu. Avant d'avoir bu cette potion, Tristan ne pouvait, de fait, pas être amoureux d'Iseult. Une accusation selon laquelle il aurait versé quelque chose, de quelque nature que ce soit, dans le filtre d'amour, est absurde et infondée, puisque justement, il ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un filtre d'amour. Iseult se trompe de cible. Je demande au juge d'instruction celtique de se retourner vers l'enchanteur qui a concocté le filtre d'amour, ainsi que vers la servante qui a versé la potion pour en savoir davantage. De plus, si Tristan le Brave avait versé du GHB quelque part, cela aurait été dans sa potion à lui, car c'est de sa virilité dont il est question. De cela, il est totalement libre, donc il est innocent. Après avoir démontré que Tristan n'avait aucun intérêt à verser du GHB dans le filtre d'amour d'Iseult, je vais démontrer que Dame Iseult n'a, quant à elle, aucun intérêt à agir en justice, pour une raison très simple, elle n'a subi aucun préjudice. Dame Iseult a pris du plaisir, voici un témoignage des gardes qui le prouve. Elle n'a pas été lésée. Bien au contraire. La beauté de la conquête de Sieur Iseult est si légendaire qu'il a voulu bien faire son ouvrage. C'est un honnête homme. Son seul et unique but a toujours été d'honorer dignement sa promise, le temps d'un voyage dans le pays des rêves amoureux. Peut-on blâmer cela? Non. Peut-on s'étonner de l'attaque de Dame Iseult alors qu'elle n'a subi aucun préjudice? Oui. Donc la plainte est irrecevable, faute de préjudice subi. Le contrat tacite a simplement été exécuté. Il a fait jouir les deux parties, au sens juridique du terme, hein, bien entendu. Enfin, Madame la Présidente, quid des conséquences de votre jurisprudence? Le mythe de Tristan et Iseult est fondamental et vous vous apprêtez à le détruire. Dans les temps futurs, cette histoire bercera beaucoup d'enfants du monde, leur enseignant que le grand amour ne se réduit pas à la question pourtant fondamentale de toute vie de couple. Qui fait la cuisine? La question amoureuse est bien plus profonde que cela. Pensez aux millions de jeunes Tristan et Iseult en puissance qui érigent cette histoire au rang de mythe. Je vous demande, pour terminer, de vous mettre à la place de ces femmes et ces hommes qui vivront 2 millénaires après votre décision, dans un monde instable, qui n'a plus confiance en personne, mais qui ne se sent plus responsable de rien, un monde de l'injustice, du chômage, du terrorisme, un monde de la destruction, de la pollution et de l'intolérance. Pensez à eux et demandez-vous si l'espoir de chaque Tristan de trouver son Iseult n'est pas la seule raison de croire que la guerre contre la barbarie n'est pas perdue. Je vous remercie. Bravo! Merci! À vous, jury.
intelligente que vous, en tout cas. Merci. C'était très bien. C'était très bien. Je crois que vous avez respecté le temps, peut-être un peu trop même, puisqu'il vous manquait 10 secondes, c'est ça. Mais c'était pas mal pour quelqu'un qui a affronté l'amphithéâtre tout seul. C'est un bon début. Merci. Merci beaucoup. Accueillons maintenant Céleste Renaud et Priscilla May de nouveau. Elles sont en première année de droit. Elles sont coachées par la très jolie Antoinette Bussard. Et ce qu'elles aiment par-dessus tout, c'est être libre et écrire. Merci, je n'arrivais pas à me relire. Alors, quel sujet pour ces demoiselles, ma chère Pauline? Eh bien, cher Thomas, elles traiteront le sujet suivant. Le bon roi Dagobert, après que le grand Saint-Éloi lui a fait remarquer que son string est à l'envers, décide de le remettre à l'endroit et fait enfermer le serviteur qui l'a habillé. En tant que garde des Sceaux, vous défendez le roi Dagobert. Alors, maître d'abord. Le monument historique qu'il faudra que vous placiez est le Taj Mahal. Très bien. Le Taj Mahal. Le Taj Mahal. Vous avez 4 minutes, bonne chance. Bonsoir mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir cher public. Dois-je vous rappeler pourquoi nous sommes amenés à nous rencontrer ce soir dans cette salle d'audience ? Eh bien, comme nous le savons tous, il s'agit ici d'une affaire de la plus haute importance. On ne peut plus culotter, si je puis dire. Vous savez comme moi qu'il existe des dossiers que l'on va tout prix refermer une fois que nous les avons ouverts. Et en tant que garde des Sceaux, je dois vraiment admettre que celui-ci était très pénible. En effet, c'est un crime de lèse-majesté dont a été victime le bon roi Dagobert lors de son couronnement en l'an 629 au Taj Mahal. Pour vous rappeler brièvement les faits, Saint-Éloi, fidèle conseiller du bon roi Dagobert, a fait remarquer à ce dernier que son string était à l'envers. Sa majesté a donc fait enfermer le serviteur qui l'avait habillé pour atteinte à sa crédibilité. Il est donc de mon devoir de réagir face à tant de cruauté. Le roi avait confiance en son plus noble serviteur. Et pour le remercier de cela, ce dernier l'a trahi. Oui, mesdames et messieurs, le roi a été, lors de son sacrement, blessé. Je n'entends pas seulement blessé par cette ficelle. Et par le mot blessé, je n'entends pas seulement une petite égratignure de puterelle. Non, mesdames et messieurs, mais également une réelle déchirure qui lui laissera des séquelles à vie. Je suis outragée qu'une telle histoire ait pu se dérouler sous nos yeux en France. Je ne laisserai pas passer un tel crime. Non, je ne laisserai pas un petit serviteur éperdu d'un amour destructeur pour sa majesté ternir et détruire même sa réputation. Le roi Dagobert, un si bon père de famille, un époux fidèle, un homme si aimé du peuple, tant adulé, grand bien lui fasse. Et pourtant, un homme myope, qui n'avait pas vu dans l'immédiat que son string était à l'envers. C'est seulement lorsqu'il s'est penché pour recevoir le Saint-Sacrement du pape que la populace présente a eu un fou rire incontrôlable. Regardez donc, mesdames et messieurs, l'objet du crime. Oh, madame la garde des Sceaux, veuillez ôter de ma vue cette chose qui m'a causé tant de tort. Ce culotté de serviteur a osé me la faire à l'envers. Moi, qui lui ai donné le privilège d'habiller Sa Majesté le Roi et qui l'ai élevé à un assez haut rang. En effet, dans un élan de sensations fortes, et sur les bons conseils de mon vieil ami Carlus Lagerfeldus, j'ai opté pour ce genre de lingerie plutôt fine pour la cérémonie de mon sacre. En même temps, c'est également lui qui m'avait prévenu que la couleur ferait parler de moi, sur tout le territoire et même au-delà des frontières. Mais je n'étais pas censée imaginer que cette popularité tournerait à l'humiliation. En plus, il n'a pas fallu longtemps à cette mésaventure pour arriver aux oreilles des monarques européens. Savez-vous comment m'ont-ils surnommé? Je dois à présent répondre au nom de Dagoberus Tapetus, comme s'il n'était pas déjà assez pénible pour moi de m'être fait baptiser Dagobert. Je n'arrive toujours pas à comprendre les raisons de ce malotru, de ce pisse-froid,
de vouloir nuire à ma réputation de la sorte. Moi, qui suis pourtant un mari aimant, autant pour moi, je compte bien ne plus me laisser enfiler de la sorte par ce foutant cul, ce sodomite. Allons, calmez-vous, je suis là pour défendre vos intérêts. Vous l'aurez bien compris, mesdames et messieurs, ce serviteur aura bien causé du tort à Sa Majesté le Roi. Non seulement, il a fait mettre au roi un string à l'envers, mais il a osé affirmer que Sa Majesté lui entretenait une relation adultérine. Diantre, quel gueux! Ce n'est pas une drag queen quand même! De ce fait, ce serviteur de bas étage a cherché à se venger du roi, telle une Valérie Trierweiler voulant nuire à notre cher François. Il en résulte même une chanson populaire. Le bon roi Dagobert a mis son string rose à l'envers. Merci beaucoup. Merci. Bien. Qui dans le jury souhaite réagir à cette très belle prestation ? Je suis heureux de voir que dès la première année, la graine est fertile. Et sans vouloir trop tirer sur la ficelle, je vais dire qu'on a bien souri et qu'on souscrit. Merci beaucoup. Bien, dernier candidat que nous accueillons avant l'entracte, il s'agit de Monsieur Michael Almeida, qui est en deuxième année de droit, coaché par Adrien Azarete. Et pour qui aurait aimé vivre au temps de la naissance de Jésus-Christ. Et Pauline, quel est son sujet ? Eh bien, il traitera le sujet suivant. Richard Cœur de Lion, grand intolérant au lactose, attaque le groupe président pour avoir donné son nom à un camembert. Vous défendez Richard. Alors, dans le jury, qui donne le mot, c'est Maître Leplat. Nous vous avons réservé la pyramide du Louvre. Merci beaucoup. Vous avez 4 minutes. Bonne chance. Monsieur le Premier Président de la Cour du Roi, messieurs les membres de la Cour, messieurs de l'Assemblée, bonjour. Je suis Lord Michael, défenseur de Richard Ier d'Angleterre, dit Richard Cœur de Lion, dans votre royaume. En rentrant de la troisième croisade, en passant par la pyramide du Louvre, Richard et moi-même avons eu la surprise d'apprendre qu'une société française, la société Président, avait commercialisé un camembert estampillé du surnom français donné au Saint-Roi Richard Ier d'Angleterre. Voici le fameux camembert produit par la société Président. Camembert Cœur de Lion, l'extra crémeux, 385 grammes de plaisir. Je vous laisse imaginer la réaction du Saint-Roi, Richard Ier, d'autant plus qu'il est allergique au lactose. « Oh my God !» s'exclama Richard. Selon Maître John Williams, maître fromager international depuis 1130, ce qu'il faut pour faire un bon fromage, c'est surtout beaucoup de soins, d'amour et de respect. Vous ne nous avez pas respectés. Malgré les conflits entre nos royaumes, nous, les Anglais, nous n'aurions jamais osé. Bande de cutéreux. Certains des plus éminents et fidèles conseillers de Richard lui ont suggéré d'envahir la Normandie, d'égorger chaque Normand pour faire oublier à jamais cet affront au plus grand roi que l'Angleterre ait connu. Moi, la société Président, je ne veux plus en entendre parler. Moi, la société Président, je les ferai condamner. Moi, la société Président, je ne leur pardonnerai jamais. J'ai dit à Richard, rappelez-vous de ce qu'a dit votre oracle. Au XXIe siècle, les Français seront tellement désespérés à la suite de toutes leurs défaites militaires qu'ils essuieront contre le royaume d'Angleterre que la France deviendra une république et aura pour chef d'État un président, l'extra crémeux François. Faisons un camembert à l'effigie de leur société de paysans et de leur futur chef d'État. On ne va pas en faire tout un fromage, s'écria Richard. Je lui ai dit, je sais Richard, que c'est vous l'homme le plus vertueux que la terre ait connu, mais faites-moi confiance.
Voici, messieurs les membres de la cour, le camembert que nous, les Anglais, n'hésiterons pas à produire. Le camembert, président. La société, président, a violé l'article 1er du traité franco-anglais qui interdit l'utilisation commerciale du nom d'un membre de la famille royale. Pour avoir sciemment donné à un camembert le nom de Richard Cœur de Lion, alors qu'il est intolérant au lactose et le plus grand roi que l'Angleterre ait connu, je vous demande, messieurs les membres de la cour, dans un premier temps, de prononcer la cessation immédiate de la production de ce camembert estampillé Cœur de Lion et d'assortir la décision d'une astreinte de 385 courtisanes par jour de retard. 385 pour les 385 grammes de plaisir. Et dans un second temps, je vous demande également, messieurs les membres de la cour du roi, un renvoi pour ce qui concerne la réparation des dommages à la prochaine audience, le 17 février à partir de 19h. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo ! Restez là, restez là. Une petite réaction du jury, peut-être. Florence Bruce. Félicitations, effectivement, parce que vous avez d'abord placé le mot, vous avez tenu les délais, et aussi parce que il y a eu de la gestuelle, les comiques, dans vos phrases également. Et puis, ce que j'ai trouvé audacieux, c'est qu'on s'approche de ce qui se passe véritablement dans nos prétoires, puisque vous avez fait de véritables demandes et vous avez même osé un renvoi. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'assez audacieux, alors même que vous êtes qu'en L2. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, nous allons marquer une courte pause. Un quart d'heure. N'oubliez pas d'aller au bar, ça n'est vraiment pas cher. Hein, voilà, tout est à moins d'1,50€, faites-vous plaisir. Alors, on applaudit le jury qui revient, s'il vous plaît. Merci à tous d'être là encore. Nous allons accueillir deux nouveaux candidats. Deux candidats qui ont la chance et le plaisir d'être en Master 1 droit et contentieux des contrats publics. Ils ne s'appellent... leur nom c'est quoi ? Eh bien c'est Marc Guyot et Florent Lacarrère. On les applaudit très fort s'il vous plaît. Ils sont coachés par Monsieur Élie Guerrero. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur eux, ma très chère Pauline ? Eh bien, Marc Guyot, ce qu'il aime le plus, ce sont les scènes d'érotisme dans Game of Thrones. Alors j'espère que ce ne sont pas celles qui sont incestueuses. Oh, et le personnage historique préféré de Florent Lacarrère est Jean Jaurès. Comme tout le monde. Alors, quel sujet vont-ils traiter ? Il s'agit du sujet suivant. Sur le site internet Le Bon Foin, dans la rubrique « Adopte un étalon », Henri IV commande son nouveau cheval. Il se souvient très nettement d'avoir sélectionné le modèle blanc. Stupeur lorsqu'il découvre dans la cour du château un potioc roux. Vous défendrez Henri IV. Madame la Présidente, un petit monument pour nous. Eh bien, messieurs, j'espère que vous allez faire briller le phare d'Alexandrie. Merci beaucoup. Vous avez 4 minutes, les garçons. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les juges du Parlement de Navarre, chère Assemblée, chers concurrents, ce soir, un roi de Navarre n'a pu devenir roi de France.
Ce soir, la société Le Bon Foin, dirigée par les consorts Ravaillac et Spanghero, a privé notre bon roi du trône. Ce soir, nous exigeons que justice lui soit rendue. Nous sommes en présence, mesdames et messieurs les membres du jury, d'un dol de l'article 1116 du Code civil. Le dol est une cause de nullité de la Convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Pour ceux qui n'auraient pas compris, notre cher Henri IV s'est fait truander. Et puisque c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve, prouvons. Il devait recevoir ceci, un formidable cheval blanc, mais il reçut cela, un potioc roux. Dol principal ou dol incident, les subtilités juridiques sont peut-être importantes, mais honnêtement, face à un roi, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. De ce fait dommageable résultent plusieurs préjudices, mesdames et messieurs, et pas des moindres. Préjudice esthétique, mesdames et messieurs, car oui, c'est une véritable atteinte à son droit fondamental à l'image que subit notre client. Droit fondamental garanti et consacré par le Conseil royal en 832 dans la célèbre affaire du roi Dagobert et son string à l'envers contre France. Pour la petite anecdote, lorsque Henri d'Albret prit le jeune Henri IV pour la première fois dans ses bras, il s'exclama à la foule « Miren bien mi oveja dio a luz a un león, regardez tous !»« Ma brebis a enfanté un lion », c'est dire à quel incroyable destin était promis notre cher Henri. Véritable source d'inspiration pour l'ensemble des peintres de Navarre et de France qui aujourd'hui est condamné à devenir le premier lion béarnais partant à la guerre à dos de potioc roux basque. Quelle déchéance de nationalité! En résulte un gravissime, désastreux préjudice sexuel dont notre client continue encore aujourd'hui de souffrir en raison de sa désormais célèbre mésaventure du potioc. Notre bon roi a été bien connu pour ses longues balades nocturnes sur le chemin qui porte son nom, au cours desquelles il contrôlait la productivité de ses fermes, mais aussi, il faut l'avouer, celle de ses fermières et peut-être même de ses fermiers. Mais bien sûr, tout cela ne nous regarde pas tout à fait. Ce qui nous regarde, à l'inverse, c'est la baisse substantielle de la démographie en Béarn qui provoque le déclin de notre belle civilisation. Ce qui nous regarde, mesdames et messieurs les juges, c'est la violation honteuse du droit fondamental de notre client au cuissage, reconnu par le NCPC-PNRLE, le nouveau code de procédure de cuissage et de prima noctée pour les rois à la libido extraordinaire. Mesdames et messieurs les juges, vous l'aurez compris, notre principal chef de préjudice est une véritable perte de chance pour notre cher Henri IV. Perte de chance consacrée par la Cour de cassation en 1975. En effet, nous sommes en mesure de vous prouver que si Henri IV avait bel et bien reçu son cheval blanc, il serait aujourd'hui roi de France. Pièce à conviction, ceci est la prophétie du sieur François Bayrousse qui atteste du brillant avenir, du royal avenir destiné à notre client. Client qui, hélas, privé de son fier destrier, chute à terre au beau milieu des combats et termine sa plus grande bataille, la bataille... l'honneur blessé au poste de secours le plus proche, tel un légume, un œil au beurre noir, un testicule écrasé par le poids de son potioc qui cela ne nous regarde pas. Ah, tout à fait. Et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, arrivé aux portes de Paris, sur son potioc roux, en pestant l'ail et la sueur, la légendaire phrase « Ralliez-vous à mon panache blanc !» s'est éclipsé au profit d'une autre bien moins digne d'un roi. Ralliez-vous à mon panache roux. Pardonnez-nous l'expression, madame la présidente, mais c'est carrément moins swag. Et c'est ainsi que lui échappa le trône de France. Par conséquent, au nom de notre client Henri de Bourbon, soutenu par la 2P, l'amicale des potiocs du pays qui ne saurait tolérer qu'un Béarnais puisse monter un potioc, nous vous demandons de rétablir le cours normal de l'histoire et de condamner les sieurs Ravaillac et Spanghero à la mort par écartèlement à l'article L666 du Code de torture. Pour qu'ainsi ne soit jamais faite la triste blague, connaissez-vous la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Non. Mais bravo. Non, roux. Bravo. Merci. Un petit mot du jury. De la part de Julie Lossat, qui a un nom qui veut dire quelque chose en béarnais d'ailleurs. Oui, je ne dirai pas quoi. Non, j'aimais déjà beaucoup les jeux de mots dans le cas que vous aviez à plaider. Et j'aime encore plus vos jeux de mots et tous les jeux que vous avez faits avec le cas d'Henri IV. Quoi dire d'autre ? C'était très rythmé, c'était très bien, c'était très intéressant, très drôle. Voilà, rien de plus. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Alors,
Simplement, avant de passer au candidat suivant, nous tenons à dire bonjour ou bonsoir, je ne sais pas très bien, à une amie qui nous est très chère, qui s'appelle Johanna Falcha et qui nous regarde en direct de la faculté de Guyane. Alors on l'embrasse très fort. Et on l'applaudit s'il vous plaît. Et elle nous fait dire de dire à Stéphanie Douto d'arrêter de s'agiter devant la caméra. Voilà. À bon entendeur. Salut. Bien. Nous accueillons désormais messieurs Clément Charamand. Voilà. Monsieur Arthur Lacroix et monsieur Marvin Mangui qui sont en première année de droit et qui sont coachés par mademoiselle Romazotti. On les applaudit très fort. Alors, monsieur Charamond aurait changé d'époque pour rien au monde. Il a dit « Je suis très bien à mon époque ». Ensuite, monsieur Lacroix, ce qu'il aime le plus, c'est la technologie. Et enfin, le personnage historique préféré de monsieur Mangui est Che Guevara. Alors, quand vous allez voir leur sujet, vous allez comprendre qu'ils ont dû avoir beaucoup de difficultés à le traiter. Après de nombreuses visites à son domicile par la BAC, la brigade anti-clavier hystérique, Beethoven est arrêté pour tapage nocturne. Vous êtes maître Saint-Bernard, avocat de Beethoven. Vous avez compris ? Défendez Beethoven. Le petit mot du jury. L'Alhambra. Très bien, merci beaucoup. Vous avez 4 minutes. Bon courage. Mesdames, Messieurs les jurés, bonsoir. Mes confrères et moi-même, membres de la société 30 millions de juristes, avons l'honneur de vous dire que nous ne sommes pas ici pour un procès, mais pour un complot. Laissez-moi vous présenter mon client, Ludwig van Beethoven, un citoyen intègre, mélomane, au service des autres par son inspiration sans fin. Dans cette plaidoirie, nous ne manquerons pas de vous présenter également son travail de génie, mais revenons-en pour le moment à cette affaire. Mozart, le demandeur, a, comme vous le savez, requis une intervention de la très honorable BAC, brigade anti-clavier hystérique, pour tapage nocturne chez mon client. Tout d'abord, il nous est possible de constater que ce Mozart a depuis quelque temps fondé un opéra rock. Or, le rock, par définition, produit du bruit. Celui-ci clamant haut et fort, et je cite, « Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette, je suis ce que je fuis. » Ou encore, « Je vous mets nuit à la sassaphonie, au requiem, tuant par dépit ce que je sème. » Assumant totalement le fait qu'il passe ses nuits à jouer du rock sans se soucier des autres, il est difficile de concevoir le fait qu'un insomniaque égoïste proche de la folie puisse réellement être certain de ce qu'il entende. La plainte du demandeur n'est donc pas fondée, et il est plus compréhensible que le bruit que Mozart prétend entendre se passe en réalité dans sa tête. Enfin, comment la plainte de cet homme peut-elle être tangible quand cette même personne a placardé sur sa porte un slogan aussi ridicule que celui-ci « Quand Mozart se met aux pizzas, mozzarella ». La partie adverse me dira que cet argument n'est pas recevable, que la BAC est intervenue et a constaté l'infraction. Je tiens à contester cela. En effet, mon client, sourd depuis l'âge de 27 ans, est un citoyen responsable et conscient du bruit qu'il peut faire. C'est pour cela qu'il joue toujours avec la pédale de sourdine. Si vous faites bien attention aux photos prises par l'OPJ, officier de piano judiciaire, l'on remarque très nettement que cette pédale est active. Comment les experts de la BAC ont-ils pu omettre cette information ? Nous ne manquerons pas d'y revenir. Les serviteurs de mon client dormaient dans une pièce proche de son boudoir et ne se sont pourtant jamais plaints d'aucune nuisance sonore. Quelle a été leur surprise lorsqu'ils furent réveillés par cette garde, lourdement armée, entrant dans l'appartement de mon client? Leurs témoignages sont formels. Je pense qu'il est maintenant temps de faire tomber cette mascarade. Mesdames, messieurs, mes confrères et moi-même avons découvert que Sir Bach, commandant en chef de la BAC, n'est nul autre que le grand-oncle du demandeur Mozart. Tout porte donc à croire que cette intervention arbitraire n'est que le fruit d'un état d'urgence n'est que le fruit des intentions personnelles de Mozart. Pour mieux comprendre les motivations de cette intervention, laissez-moi vous introduire Élise, compagne du demandeur, clé de sol de toute cette histoire. Une jeune femme ravissante, mordue de musique et de compositeur de talent. Vous devez maintenant réaliser que nous ne sommes plus ici pour un simple problème de tapage nocturne et pour une affaire complexe de lit qui tape dans le mur. C'est ainsi qu'Élise a confessé son témoignage, son attachement profond pour l'illustre musicien
mélomane que Ludwig van Beethoven. La musique de Lulu a pénétré les contrefonds de mes synapses, telle la colombe rentrant dans son nid, a-t-elle déclaré dans un murmure plaintif. Donc vous l'aurez compris, nul homme n'égale son doigté et son auguste dextérité sur un clavier. Par jalousie, Amadeus, vous avez donc bien tenté de nous amadouer. Qu'il s'agisse d'un adultère, nous pouvons le concevoir. Qu'il s'agisse d'un motif pour provoquer l'inculpation d'un individu honnête et intègre, dont le seul tort est de se servir un peu trop de son instrument, je dis et je clame haut et fort que c'est déloyal, vil et putassier. Mise bout à bout, on peut dorer navant. Penser que la farandole d'accusation à l'encontre de M. Beethoven n'est que le résultat de la rancœur d'un homme solitaire, si disposé à nuire, qu'il outrepasse volontiers la morale. Monsieur Mozart, n'avez-vous donc pas pensé que la justice vous laminerait avec de tels agissements? Je vous demande donc d'acquitter mon client, à qui on ne peut reprocher, de composer comme cinquième symphonie une ode à la joie pour Four Élise au clair de lune. Moi, je retourne dans l'Alhambra. Bravo! Merci! Bien, si les candidats pouvaient apporter le micro au jury, c'est une épreuve supplémentaire désormais. Afin qu'ils puissent réagir sur votre travail. En attendant une information capitale, Jean-Luc Mélenchon se présente à l'élection présidentielle. Alors je crois qu'on a tous été ravis d'apprendre que Beethoven était aussi lubrique et on a découvert beaucoup de détails sur sa relation avec Élise. Je crois que ça part sous les meilleurs auspices et que vous êtes tout à fait dans la course. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Accueillons maintenant Audrey Fourmeau, qui est en M1 droit privé général et qui est coachée par Camille Drouillet. Applaudissez-la bien fort. Alors, elle ne vient pas de l'UPPA, si j'ai bien compris, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce qu'elle préfère dans la vie, c'est gratter des tickets de blackjack dans son bain avec un chocolat chaud pendant qu'on lui masse les pieds. Alors, qu'est-ce qu'elle doit traiter comme sujet, Pauline ? Bien, son sujet est le suivant. Van Gogh demande une coupe hipster au barbier de Séville, fan de corrida. Dans son élan artistique, et après un olé de fin de coupe, ce dernier lui coupe l'oreille. Vous défendez le barbier. Le mot du jury, peut-être ? Tower Bridge, très bien. Merci beaucoup, vous avez 4 minutes, bonne chance. Mesdames, messieurs, vous connaissez les faits. Ainsi donc, je vous épargnerai les raisonnements faciles tels que « tant pis pour lui, il n'avait qu'à ne pas bouger ». Non. Voyez-vous, cette affaire repose sur deux hommes que tout oppose. Malgré leur seul point commun, ils ont tous deux visité le Tower Bridge. Deux hommes donc que tout oppose, l'un commerçant respectable, l'autre artiste sans le sou. L'un homme de lettres, l'autre névrosé alcoolique, pire encore, l'un brun, l'autre roux. Individu pervers s'il en est, escroc peignant des tournesols à son image, tordu et orange. Sadomaso même, s'étant 7 mois plus tôt coupé lui-même une oreille. Voyez son autoportrait. Une information qui vous en conviendrait ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Il convient donc de revenir sur les faits que j'ai retracés. À 6h52, mon client se lève. À 6h53, il enfile ses charentaises. À 6h55, il se dirige vers les toilettes. Une journée somme toute banale, jusqu'au moment critique où à 11h40, il se dirige dans l'atelier de mon client en un seul morceau, lui claque sa bise habituelle, oui, ils sont amis sur Facebook, et requiert une coupe, no hipster, novatrice, qu'il demande, pratique, et symétrique, un mot qui vous en conviendrait, mais la puce à l'oreille. S'ensuit alors une vive discussion où mon client, en bon professionnel, remplit son devoir d'information et de conseil et s'enquit des motivations de Van Gogh qui lui aurait dit, je cite,
que pour être beau, il faut souffrir. Je ne le sais que trop bien. De plus, pour rajouter quant à la futilité de ce conduit, il aurait rajouté, se comparant alors à Beethoven, dont nous avons entendu parler, « Qu'importe la surdité de l'oreille quand l'esprit entend, si ce n'est pas prétentieux. » Comprenant qu'il serait sourd à toute critique, le barbier était face au mur devant tant de détermination. Il ne pouvait que lui couper l'oreille, sinon Van Gogh l'aurait fait lui-même. Et franchement, à l'exposé de ses faits, je ne vois pas pourquoi on se bat pour un bout de viande. Qui plus est, j'ai fait mes recherches, j'ai de bonnes sources, Wikipédia, si vous voulez tout savoir. Mon client était tenu à une obligation de moyens, et je puis vous l'assurer, il a tout mis en œuvre pour préserver la salubrité de sa tâche. Tous ses clients vous le diront, le barbier est d'une propreté exemplaire, et cela Van Gogh le savait. On devrait même le remercier d'avoir exécuté d'une main de maître un travail aussi propre, ayant épargné à Van Gogh d'inutiles souffrances. Un travail relevant d'une maîtrise géniale, car c'est d'art dont il s'agit, mesdames et messieurs, la rencontre de deux esprits idéalistes et créateurs. Par cette métamorphose, le peintre s'extrait de sa condition d'homme, il se pose en icône, capable de comprendre le monde avec ses yeux et d'entendre avec ses mains. À mes détracteurs, je répondrai par la même main. Je vous le dis en toute bonne foi, si moi-même j'avais à me faire couper les oreilles, c'est au barbier que je le demanderais. En effet, l'oreille est une excroissance hasardeuse résultant d'une mutation génétique. J'en ai pour preuve que les organes les plus importants du corps humain, tels que notre intimité porteuse de vie, sont tous protégés à l'intérieur de notre coquille de chair. Quid de l'oreille ? Et parlons encore moins de vous, messieurs, tant de futilité. Non, la loi va en ce sens. La CJAR, la Cour de justice des artistes sur le fil du rasoir, ayant conclu à propos de l'affaire Jean-Luc Lahaye, l'oreille est un conduit, rien n'y séjourne. Les chanteurs, dès qu'ils la bouclent, on les oublie. Alors, pourquoi avoir orchestré cette campagne calomnieuse ? Tout simplement, car le bouche à oreille est le meilleur des médias. Et qu'artiste sans le sou, Van Gogh espérait certainement en tirer une publicité substantielle. Cette histoire, j'en suis sûre. J'en mets même ma main à couper. On la retrouvera demain dans le Figaro, au titre « Pourquoi paracoleur » de « Ventre affamé n'a point d'oreille ». Alors après vous avoir démontré que les accusations présentes ne tiennent pas et qu'on aurait même dû remercier le barbier, mais que voulez-vous ? Il ne suffit pas de tendre la main comme on tend l'oreille, il me faut conclure. Et si cela ne tenait qu'à moi, pour éviter que cet individu ne recommence, il mériterait une bonne leçon. J'aurais bien eu envie de vous recommander de lui tirer les oreilles, mais à défaut, l'acquittement de mon client sera suffisant. Merci beaucoup. Ah bah celui-là, il marche tout seul. Bien, mademoiselle, je ne peux pas dire grand-chose. Ce n'était franchement pas rasant. Merci, madame Ternaire. Merci. Alors, nous allons accueillir désormais deux demoiselles qui sont en première année de droit. Elles s'appellent Yael Lévy et Léa Coutret-Pradel. Applaudissez-les très fort. Ils n'ont pas voulu remettre leur titre en jeu cette année, donc nous leur avons proposé un poste de coach. Et donc cette équipe est bien coachée par Franck Lamas et Maverick Martins. Les gagnants de l'an dernier. Alors, mademoiselle Lévy, elle aurait aimé vivre pendant les années folles, tandis que mademoiselle Coutret-Pradel, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est les poneys. Et elles traiteront le sujet suivant. Louis XIV, seul autorisé dans le royaume à porter des talons rouges, apprend qu'une créatrice de province, Christine Louboutin, vient de... Christine Louboutin vient de lancer sa marque, le soulier rouge pour tous. Pris de colère, il attaque la créatrice. Vous défendez Louis. Un petit mot du jury. La tour de Pise. Merci beaucoup, vous avez 4 minutes. Bon courage, mesdemoiselles. «
C'est avec désespoir que notre ô combien adoré client, Monsieur Louis XIV, a visité ma consœur Maître Coutré de Pardel et moi-même pour plaider sa cause au sein de l'un des plus prestigieux palais, à côté de la Tour de Pise, le PFRLR, Palais Français de Royaume de l'Égalité Royale. En effet, depuis des générations, il est de tradition que seul le roi porte des talons rouges, à tel point que ceux-ci sont devenus un des symboles de la monarchie. Ainsi, leur production est, depuis l'édit Piaf, de 1492, devenue une activité régalienne, au même titre que la frappe de la monnaie ou bien le lancer de nains. De plus, je vous rappelle que depuis la fameuse décision du Conseil constitutionnel de 1575, IVG, interruption volontaire de la godasse, l'édit Piaf a intégré le bloc de constitutionnalité. Cet édit a fait de la production des chaussures à talons un service public national, justifiant au regard de l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 un monopole d'État. Nous savons bien que Madame Loulou Boutin veut faire valoir l'évolution concurrentielle du marché impulsée par la politique de l'Union européenne, mais nous lui rétorquerons que nous refusons de nous plier à une organisation qui n'existera pas avant des siècles et des siècles. Amen. D'autre part, Monsieur XIV trouve en ses souliers un élément essentiel de sa parure lorsqu'il part en guerre. Leur couleur symbolise le succès guerrier du roi. Même son fidèle destrier porte des talons rouges. Un bel étalon prénommé Aiguille. Oui, vous l'avez compris, même les talons aiguilles en portent. Madame Loulou Boutin ne cherche-t-elle pas à initier le peuple à la guerre, à banaliser la violence? Ne voudrait-elle pas réinstaurer dans une société pourtant guérie du mal la loi du talon, œil pour œil, dent pour dent? Je vais donner la parole à ma consœur, maître... ma consœur. Cette situation semble ironique lorsque l'on sait que Madame Loulou Boutin a toujours prôné l'hétérogénéité, particulièrement s'agissant de la couleur des chaussures, selon ses propres mots, rose pour maman, bleu pour papa. Elle ne propose aujourd'hui plus que des chaussures rouges, elle qui déteste l'homogénéité. Mais comment accorder, je vous le demande, une quelconque confiance à une personne qui ne respecte pas l'adage selon lequel tu ne te marieras point avec ton cousin ? Et avait, de surcroît, fait une tournée triomphante en France et en Navarre avec son tube « Si t'es fier d'être consanguin, frappe dans tes mains ». De plus, Madame Loulou Boutin porte atteinte aux opinions du roi à travers la couleur rouge. En effet, le rouge porté par le roi marque aussi son idéologie politique. Celle-ci est évidemment la couleur des règles communistes. Oui, Louis XIV, comme vous le savez tous, est un bolchevique. Il l'a prouvé, par exemple, en prénommant son fils Mao Zedong. Ainsi, Madame Loulou Boutin bafoue publiquement la non-liberté d'opinion mise en place depuis le célèbre arrêt Mondominec du Conseil du Royaume, publié au recueil Le Bon Coin. Madame Loulou Boutin se prévaut de sa liberté d'entreprendre dans la mesure où elle estime ne pas empiéter sur un impérial motif d'intérêt général. Allégation contredite par l'immense référence de la mode à la cour royale, Christina de la Cordula, selon laquelle, je cite, « C'est un fashion faux pas, c'est pas magnifique que ton chaussure, ma chérie !» Christina de la Cordula, présidente de l'UMP, Union de la Mode Parisienne, s'est subsidiairement portée partie civile au pénal contre Madame Loulou Boutin, l'accusant d'homicide volontaire. En effet, Madame Loulou Boutin aurait, je cite, tué la mode. Cette accusation place l'avocat de Madame Loulou Boutin, Nicolas de Sarkozy, encore une nouvelle fois en conflit d'intérêts, car ce dernier était encore récemment membre de l'UMP. Association dont il a été déchu par sa présidente lorsqu'elle a appris que M. de Sarkozy était un fervent client de Rouge pour tous, où il se fournissait en talonnettes. Ainsi, nous demandons l'interruption de la production des talons rouges par la société Rouge pour tous. Et nous conclurons sur une citation de notre confrère Maître Gims, sapé comme jamais, Loulou et Boutin, Loulou et Boutin. Merci. Bravo ! Merci ! Un petit mot de la part du jury. Oui, je voulais quand même souligner le courage qu'il faut avoir quand on intègre... Bon, ben, je vais dépasser le temps imparti, donc je pense que je vais être d'emblée recalée à la dernière place. Bon, ben, tant pis.
Mais je trouve que vraiment, pour les premières années, comme ça, c'est un exploit extraordinaire d'avoir le courage de venir devant tout le monde. Et puis, en plus, de trouver la force d'avoir encore de l'humour. Voilà, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. La prochaine candidate nous vient tout droit de Bayonne, où elle est en Master 2. Elle était déjà là l'an dernier, mais ça ne vous empêche pas de l'applaudir très fort. Mademoiselle Virginie de Sachi. Elle est coachée par Solène Galu et son personnage historique préféré est Charlie Chaplin. Alors, mademoiselle, vous avez à traiter le sujet suivant. Émoustillée par la lecture du roman à succès, 50 nuances d'Earl Grey, Jack le fouetteur initie la jeune Anastasia de Russie au plaisir de la chair. Grièvement brûlée par un sachet de thé, Anastasia attaque Jack. Vous défendrez Jack avec un monument. Le mur de Berlin. Merci, vous avez 4 minutes. Bonne chance. Bon courage. Mesdames, messieurs les juges, avant toute chose, je demanderai au tribunal que pendant le procès qui se tient devant nous, chacun mette de côté ses préjugés, que chacun mette de côté ses a priori. Je vous le demande, libérez, délivrez votre esprit. Mesdames, messieurs les juges, le temps des contes merveilleux est révolu. Oui, aujourd'hui, si l'on perd sa chaussure à minuit, c'est parce que l'on a trop bu. Quasimodo est entré dans la friend zone, Alice au pays des merveilles prend du LSD, Blanche-Neige et sept nains font un gangbang, bref. Vous l'aurez compris, l'histoire que je m'apprête à vous livrer est celle d'un conte de fées moderne. C'est l'histoire d'un homme incroyablement beau et riche, mon client, qui rencontre une femme lors d'une visite au mur de Berlin, réservée et timide, Anastasia de Russie. Tombée sous son charme, il lui lance un « Ouh, Bella, ouh, Bella », puis ajoute « Fais-moi tourner la tête, tourner la tête, Et c'est séduite par le romantisme de cette approche lyrique qu'elle se laisse envoûter par ce bel homme. Si l'habit ne fait pas le moine, pour mon client, Jacques le fouetteur, le nom fait l'homme. Il est en effet adepte de pratiques sadomasochistes depuis qu'il a lu ce que l'on peut qualifier du plus grand chef-d'œuvre littéraire de tous les temps, à savoir 50 nuances d'engrais. Pour rappel, il s'agit de l'histoire d'un homme fan de nature et découverte qui aime à pénétrer de nouvelles grottes inexplorées pour y planter ses graines en combinant domination et soumission librement consentie par la propriétaire des terres, bien évidemment. Alors, que s'est-il passé ? Anastasia, poussée par son abricot en folie, et bien qu'elle n'ait jamais rien essayé de tel, demande à mon client de lui faire subir une de ses pratiques qu'il affectionne tant. Ce soir-là, le thème étant « petit goûter entre mamies », la relation sexuelle est donc accessoirisée de petits cookies maison et de thé chaud. C'est donc comme convenu que mon client brûle la jeune femme à l'aide d'un sachet de thé et c'est de manière inexpliquée que cette dernière décide d'attaquer mon client. C'est donc pour cette sordide affaire de Cupidon que je suis ici ce soir pour défendre mon client qui, je vous le dis, n'a rien à faire sur le banc des accusés. Mesdames, messieurs les juges, soyons honnêtes, les pratiques sexuelles débridées se démocratisent. La Cour européenne des droits de l'homme l'a d'ailleurs compris puisqu'en 2005, concernant l'affaire KA et AD contre Belgique, elle consacre un droit à l'autonomie personnelle, comprenant le droit d'entretenir des rapports sexuels jusqu'à s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne. La plus haute juridiction tolère donc le sadomasochisme consenti et accepte la souffrance procurée par ce jeu sexuel sous condition d'être légère et passagère. Alors restons sérieux. En l'espèce, il ne s'agit que d'une brûlure au sachet de thé et non pas à l'acide. Combien d'entre vous se sont déjà brûlés en faisant chauffer de l'eau dans une casserole ? Avez-vous pour autant attaqué Tefal ? Mesdames, messieurs les juges, on reproche à mon client d'avoir commis des violences volontaires. Mais dois-je vous rappeler que l'article 121-3 du Code pénal dispose, je cite, « qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Alors je l'ai cherché, l'élément moral, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé pour la simple et bonne raison que mon client n'a pas voulu causer de dommages sur la personne d'Anastasia. Jacques le fouetteur a simplement, dans le cadre de ce jeu sexuel, dans le cadre de ce petit goûter entre mamies, pris le sachet de thé et brûlé Anastasia sans véritable intention de commettre un délit. Anastasia était une femme réservée, peu sûre d'elle, préférant Victor Hugo au Kama Sutra.
mon client l'a sauvé d'une triste vie. Oui, mesdames, messieurs les juges, mon client est un héros. Un héros qui a transformé la vie d'Anastasia en métro, boulot, pécho. Mesdames, messieurs les juges, loin de moi l'idée de vous convaincre d'aimer ce que fait mon client. Je vous demande seulement de rappeler dans les murs de ce tribunal et au-delà de ses portes que nous sommes dans un pays libre. N'enfermez pas celui qui a rendu la liberté à une femme. Bravo! Félicitations, je dirais bravo pour cette prestation, discours tout en nuances, je dirais, avec beaucoup d'images, vraiment bravo, c'était excellent, j'ai beaucoup apprécié sur ce beau discours, je pense que c'est une vraie plaidoirie, et à mon avis, vous avez une belle prestance et vous pourrez aller loin. Merci beaucoup. Merci maître. Maintenant, le prochain candidat, il s'agit de David Guirao, qui est étudiant en deuxième année et coaché par Lionel Tardy. Applaudissez-le bien fort. Bien, alors, son personnage historique préféré n'est autre que Cicéron, c'est de circonstance. Et M. Guirao traitera le sujet suivant. Edward John Smith. Le très célèbre capitaine du Titanic a fait une erreur de guidage et a échoué son navire contre un iceberg. S'imposant avant les femmes et les enfants dans un bateau de sauvetage, il parvient à s'en sortir. Vous représentez Nicolas Hublot, très actif en faveur de la lutte pour la sauvegarde des animaux, qui attaque au nom des pingouins présents sur l'iceberg le capitaine du navire. La Tour Eiffel, très bien. Merci beaucoup, vous avez 4 minutes. Bonne chance. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, je suis ici aujourd'hui pour représenter Nicolas Hublot au nom des pingouins qui ont été victimes d'un malheureux accident. Le Titanic, navigué par M. Edward John Smith, capitaine, est rentré dans cet iceberg qui est leur habitat. Il l'a percuté de plein fouet. Cet habitat aurait pu être une tour Eiffel. C'est quelque chose qui est personnel, une chose comme une maison, un appartement. Ce sont des choses qui touchent notre sensibilité. Et quand M. Edward John Smith a quitté le Titanic pour passer devant les hommes et les femmes et les enfants, eh bien, il a oublié les pingouins. Il a oublié les pingouins. Il peut avoir honte. C'est justifié. Il devrait être tellement en colère qu'il devrait être en colère contre lui-même. Alors, je dis une chose. Il y a eu une chose très grave. Il y a eu une violation du territoire des pingouins. Une violation du domicile des pingouins. Cette violation du domicile des pingouins, si on était dans les civilisations humaines, nous serions en face d'un délit pénal. Je vous pose la question sérieusement. Aimeriez-vous qu'un bout de fer vienne se loger dans votre maison ? J'imagine que votre réponse sera non.
dans ce cas-là, nous serons d'accord. J'ai aussi la nette impression que le capitaine du Titanic, en passant devant les femmes et les enfants, et en oubliant les pingouins, a fait preuve de racisme. Il a oublié la Déclaration universelle des droits de l'animal de 1789. Il l'a oublié. Il faut appliquer la même protection aux humains et sanctionner les actes de ce capitaine. L'envoyer en prison pour l'ensemble des vies des pingouins qu'il a brisés. Ça me rend malade d'en parler. Ça me rend malade d'en parler. Et c'est pour cela que je vais m'arrêter là. Bravo! Il y a une petite réaction du jury, Madame Turner qui a beaucoup ri peut-être. Bravo monsieur, parce que d'abord c'est difficile de défendre les pingouins, mais alors en plus c'est encore plus difficile de défendre Nicolas Hulot. Alors bravo. Merci beaucoup. Bien, il est temps d'accueillir notre dernière candidate. Elle était déjà là l'an passé, elle aussi. Elle est désormais en deuxième année. Elle est coachée par notre amie Jalil Amadi. Je vous demande d'applaudir très fort, mademoiselle Maëlys Fagé. Elle nous a confié que ce qu'elle aimait plus que tout, c'était le sport. Mais bon, comme c'est un petit peu mal écrit, on a compris le spa. On sait pas trop. Alors, le sujet que mademoiselle va traiter est le suivant. Soucieux de sa popularité, Albert Einstein entame une procédure de changement de nom après avoir découvert dans une revue scientifique un personnage. Alors, la personne de Frank Einstein, au physique ingrat, possède le même nom. S'il vous plaît, aidez Albert. Un petit mot du jury. Le port des soupirs. Merci beaucoup, vous avez 4 minutes. Bonne chance. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, suite au rejet par le ministère de la Justice de la demande de changement de nom de mon client Albert Einstein, j'ai décidé de saisir votre juridiction afin de contester ce refus. En effet, mon client a vu sa vie basculer depuis qu'un individu portant le même nom occupe depuis peu la scène médiatique. Cela a créé une confusion entre ces deux hommes. Il s'agit de M. Frankenstein, vu pour la première fois le jour en 1918. Mais ce n'est que près d'un siècle plus tard qu'il révéla son vrai visage. Après s'être radicalisé un temps en Syrie et avoir reçu un entraînement militaire, M. Frankenstein a décidé de revenir en Europe. Il se retrouva ainsi à Cologne, en Allemagne. La nuit du 31 décembre 2015, M. Frankenstein a décidé de mettre un terme à sa solitude. Pris de pulsions violentes, il se jeta sur plus de 40 femmes et s'échappa. Il se fit donc arrêter pour viol et agression sexuelle. Imaginez la stupeur de mon client lorsqu'il découvrit dans les journaux, dont la une est titrée « Einstein ». Le monstre. Au-delà de sa mocheté remarquable, cet acte odieux a conduit un être déplaisant, disgracieux, malcommode, qui n'a rien de commun avec mon client, sauf son nom. En vertu de l'article 61 du Code civil, la demande de changement de nom peut être admise s'il existe un intérêt légitime. Sa demande est pleinement justifiée. Tout d'abord, l'aspect ridicule et déshonorable du nom de mon client ne fait aucun doute. Il s'agit d'un nom tristement célèbre
qui détruit la vie sociale de mon client. Les études psychologiques montrent l'effet dévastateur de toutes les moqueries et humiliations qu'il a pu subir. Puisque les médias donnent à voir et non à réfléchir, encore moins à comprendre, et que l'image ment quand elle isole, M. Albert Einstein n'eut d'autre choix que de fuir. Certes, il préférait avancer à bicyclette, mais pour une question de rapidité, il a souhaité fuir à scooter en direction du pont des Soupirs. Maître François Hollande, médaillé d'or 2014 pour l'épreuve Gaillé, l'a particulièrement aidé dans sa démarche. Hélas, il se pensait définitivement sorti de cette image ridicule, mais voilà que le procureur Manuel Valls l'a rattrapé en le confondant avec M. Frankenstein dans le cadre de l'état d'urgence. Se rajoute à tout ce qu'il a pu endurer une déchéance de nationalité qui a de surplus menacé sa popularité. Ensuite, l'atteinte au droit au respect de sa vie privée est caractérisée en raison d'un acharnement médiatique dont fait preuve la presse People. Closer, contre lequel j'ai saisi la justice il y a quelques jours pour atteinte au droit au respect de sa vie, a publié des photos dégradantes de lui nu dans sa salle de bain, violant ainsi son intimité. L'intitulé de l'article inscrivait « Le scandale Einstein, l'univers des sens à la dérive ». Regardez l'état psychologique de mon client, cette situation l'a complètement chamboulé. J'en ai la preuve, je vous montre la pièce numéro 1 versée au dossier. Tout ceci a définitivement conduit la femme de mon client à le quitter. Sa vie privée violée, son honneur touché, sa popularité ridiculisée, un homme harcelé, Albert Einstein tombe jour après jour dans un profond désarroi. Pour une bêtise humaine, mesdames et messieurs, mon client s'est vu confondu avec ce qu'il n'est pas. C'est pour retrouver un honneur perdu que je vous demande de bien vouloir redorer l'image d'un homme que nous aimons tant. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les conseillers, je vous remercie. Bravo ! Merci ! Bien, nous avons eu le plaisir d'entendre tous nos candidats. Peut-être un petit mot du jury sur cette dernière candidate, ma chère Pauline. Oui, tout à fait, Thomas. Nous avons découvert Einstein sous un jour nouveau, qui est tout à fait plaisant. Parfaite maîtrise du temps, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Surtout pour Einstein. Bien, je vais désormais inviter le jury à se retirer pour délibérer le plus rapidement possible. Ne nous quittez pas, les résultats c'est pour très très vite. Un petit peu de musique pour vous faire patienter, n'est-ce pas? Je crois au rythme des... Voilà, c'est ça! Merci d'applaudir encore une fois les membres du jury, s'il vous plaît! Ils ont beaucoup délibéré, ils sont parvenus à un résultat. Ça a été, je vous le dis parce que j'étais là en tant qu'observateur de l'ONU, très serré. Pauline, qui devons-nous appeler maintenant avec un petit peu de musique qui va être... Alors, pour nous donner les résultats, nous appelons notre justice de huissier, maître Candace Schrott. Merci, maître. Très chère Pauline, à vous l'honneur. Sont qualifiés pour les battles. Bravo! Bravo!
Nous avons également le plaisir d'accueillir Monsieur Baptiste Perroux. Sont qualifiés Lucie Lambert-Dasquet et Alexis Lahut. Bravo! Seront avec nous mercredi prochain. Mesdemoiselles Amandine Norman et Alizée Lassalle. Vous pourrez les revoir mercredi prochain, applaudissez-les très fort. Je sais pas s'il sera torsionné, mais bon, Camille Rius et Charles Guelph. On aura le plaisir de les revoir, mesdemoiselles Lucille Morel et Manon Soriou. Disputera aussi cette demi-finale Virginie de Sachy. Nous aurons l'immense plaisir de retrouver mesdemoiselles Yael Lévy et Léa Coutrette-Pradel. Bravo! Bien, il ne nous manque plus qu'à accueillir parmi nous messieurs Marc Guillot et Florent Lacarrière. Je vous demande de les applaudir encore un petit peu, s'il vous plaît, tout de même. Attends, parce qu'on va parler. Nous allons maintenant demander au professeur Larry Botterner et président du jury de venir près des candidats. Oula, tout le monde se rassoit. Pour nous dire quelques mots à propos de ce soir et nous finirons avec Abba. Merci. Bien, eh bien, merci d'abord, je ne sais pas à qui. Franchement, ex aequo, l'association des publicistes palois, qui, grâce à qui nous avons cette manifestation, jubilatoire, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un vrai plaisir. Et puis, merci aux candidats, ex aequo, pour nous avoir donné les candidats ici, mais aussi les candidats qui, malheureusement, sont restés assis. Merci pour nous avoir donné ce plaisir de vous entendre et de vous apprécier, et de voir tous ces talents qui sont à des niveaux très différents, puisque dans les étudiants qui sont retenus, il y a à la fois des L1, des L2, des L3, des M1, et DM2. Je dirais que... Hein, DM2. Et des M2, et qu'on n'a pas jugé plus gentiment les L1 que les M2. C'est vraiment des talents. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci au jury, bien sûr, et merci au public qui a été présent et qui a soutenu tout le monde. Voilà, c'est tout. Que dire de plus, si ce n'est que bien continuer. Bravo pour des initiatives de ce genre. En tout cas, c'est vraiment très courageux et très étonnant de voir la façon dont vous arrivez à gérer cet exercice. Alors après,
Je ne sais pas si vous serez tous avocats ou si vous choisirez d'autres professions, mais en tout cas, c'est un vrai bonheur et c'est une vraie espérance de voir la jeunesse se débrouiller aussi bien dans ce type d'exercice et nous faire rire, parce que c'est important. Et ce second degré que vous maniez tous avec bonheur, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup.